Cette année, nous avons décidé d'être très écolo. Donc, tout ce qu'on a fait était basé sur soit des produits agrobiologiques ou agriculture raisonnée pour les sapins, soit des lampes LED, soit des, pour les boules, ça a été fabriqué dans un atelier d'handicapés. Donc, nous avons essayé de faire quelque chose de simple, de très naturel et qui nous rappelle les traditions. Vous savez, nous avons beaucoup de jardiniers, d'électriciens, de mécaniciens, de tous les services techniques ont travaillé dur, mais ils sont rodés. C'est quelque chose qui se prépare à environ 3 mois à l'avance. Et plus on approche, plus ils sont nerveux. Mais ça réussit.